Salam alaikum. Dans cette story, je voudrais juste te dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et déjà, Alhamdulillah. Pas Alhamdulillah. Ou Alhamdulillah, comme disent les gens, beaucoup de gens. Alhamdulillah, c'est la louange. On adresse une louange à Allah. Alhamdulillah, c'est toutes les louanges reviennent à Allah. Et certes, il mérite toutes les louanges. Donc déjà, Alhamdulillah, parce qu'il, subhanahu wa ta'ala, mérite toutes les louanges. Lui seul. Azza wa Jal. C'est-à-dire comme ça, je dirais pas sans raison. Mais pour la raison, la bonne raison, la très bonne raison qu'il mérite toutes les louanges. Alhamdulillah! Alhamdulillah de base! Et même si dans ta vie c'est difficile, Alhamdulillah ala kulli hal. Parce que de base, Allah Azza wa Jal, il mérite les louanges. Peut-être que tu sois ci, ça, comme ci ou comme ça. C'est pas ça qui va dire que ça mérite de dire Alhamdulillah. Tu dis Alhamdulillah parce qu'Alhamdulillah en fait. Tout simplement. Alhamdulillah en toutes circonstances. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Déjà. Pourquoi dire Alhamdulillah? Parce que ça amène les bienfaits. Comme disait le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziya, rahmatullah alayhi. Certes, Alhamdulillah, ça t'amène des bienfaits. Ça t'amène de la subsistance. Alhamdulillah. Et quand tu vas dire Alhamdulillah, Allah il va te rajouter. Mais tu vas être reconnaissant envers lui, Azza wa Jal. Donc tu vas redire Alhamdulillah. Donc Allah il va te rajouter. Et Astaghfirullah, ça déverrouille les cadenas, c'est-à-dire que ça te libère des épreuves. Donc, notamment ces cycles de dhikr, être comme ça, notamment en voiture ou faire du sport ou. Couché, debout, assis, peu importe. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. C'est-à-dire que tu cherches les bienfaits et tu cherches aussi à te libérer, bidnillah, de tes épreuves. Alhamdulillah, non pas alhamdulillah. Il n'y a pas alhamdulillah, ça n'existe pas. Alhamdulillah, il n'y a pas. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait alhamdulillah. Ça, c'est malheureusement du dialectal qui a déteint dans la communauté islamique. Alhamdulillah ou rien du tout. Sans compter les abréviations de ceux qui mettent HMDL. Alors là, ils n'ont même pas le temps d'écrire Alhamdulillah. Ils le disent comme ça aussi. Comment ça se prononce HMDL? T'as même pas le temps. Wallah, pour écrire un message à des meufs, à des chouins, ils mettent les formes. Wallah, hein, pour écrire des conneries sur les réseaux, ils mettent les formes. Quand il s'agit d'écrire, wallah, et correctement, Alhamdulillah ou quoi? Non, faut toujours des abréviations. C'est comme sallallahu alayhi wa sallam. Trop compliqué. SWS. Subhanahu wa ta'ala. SWT. Arrêtez avec ça. C'est haram. C'est grave. Arrêtez avec ça. C'est pas bon. Écrivez correctement ou n'écrivez rien. Mais bon, revenons sur Alhamdulillah. Parce qu'on est toujours là à dire, ah, ça va pas. Et ça qui va pas. Et y a les démons. Mais justement, les gens jaloux, haineux, envieux, les démons, ou moindre, ils ne peuvent pas dire Alhamdulillah, parce qu'ils sont frustrés. Le nombre de ni'am, le nombre de barakat dans nos vies, aïe, ce serait trop difficile de faire la liste, parce que ce serait trop long, on va oublier des choses. Déjà pour ta santé, ce que n'ont pas d'autres, ta santé physique, mentale, spirituelle, la foi avant tout, la foi, Alhamdulillah pour l'islam. Alhamdulillah, ni'mati l'islam. Alhamdulillah pour l'islam. L'islam déjà. La foi. Alhamdulillah. La santé physique, Alhamdulillah. La santé mentale, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pour les enfants en bonne santé, sains d'esprit, aimants, Alhamdulillah. Pour les amis, pour les parents. On a des vrais parents. Ils n'ont pas de parents, on l'a vu. Ils n'ont pas de parents. Si, ils sont bien sortis d'un trou, hein, ça je peux vous le garantir. Mais on se demande s'ils ont été chiés ou accouchés correctement. Ah ouais, certaines, c'est compliqué les démons. Donc c'est pour ça qu'ils vous envient. Dites Alhamdulillah. Tu sais, tu as de vrais parents, tu as eu des vrais parents, bien sûr. Aucun parent n'est parfait, mais tu as de vrais parents. Alhamdulillah. Hein, ton entourage, tout ça, Alhamdulillah. Pour cette force du cœur, Alhamdulillah, cette volonté qui te permet, bi'idnillah, de te relever de tes épreuves et d'avancer vers le meilleur, Alhamdulillah. Et la liste serait trop longue en nous-mêmes, autour de nous. Allah nous a donné de la subsistance, nous a dispensé énormément de choses. Il est généreux, Al-Kerim. On dit Alhamdulillah. Et juste à dire Alhamdulillah, là, je vous transmets la louange à Allah. Alhamdulillah, ça peut m'amener énormément de bien dans ma vie. Et vous aussi, vous regardez cela, vous méditez sur cela et ça vous amènera du bien dans votre vie et vous propagez la vidéo ou du moins vous propagez le message. Rien à faire que ma tronche soit propagée ou je sais pas quoi, je m'en fous. Tu prends le message et tu vas dire à quelqu'un, hey, au fait, t'as dit Alhamdulillah aujourd'hui, redis Alhamdulillah. Et tu sais que Alhamdulillah, ça amène le rire, ça amène les barakates. Et ben dis-le. Et puis il mérite la louange en toutes circonstances. Alhamdulillah. Et ça, je l'ai appris, je vous le retransmets, vous l'apprenez, vous le retransmettez. Alhamdulillah. Et le bien ne cesse d'exister sur terre. Même si le mal, il est présent. Mais le bien, l'amour l'emporte toujours. Alhamdulillah. Donc,
aucun démon, aucun imposteur, aucun menteur, aucune saleté sur pattes, aucun simulacre ne pourra contrecarrer cela. Rien, c'est pas vrai, c'est pas possible. Les gens, ils font du mal, ils font du sale. Ils ne peuvent pas dire Alhamdulillah, même s'ils le diraient avec leurs lèvres, le cœur n'y est pas. C'est du faux, c'est du faux. Ils aimeraient, ils nous envient cela, ils nous envient la foi, ils nous envient la stabilité émotionnelle, la stabilité sociale, familiale. Ils nous envient le Alhamdulillah parce qu'ils sont dans le satanisme. Et il ne fait pas bon vivre. Et c'est compliqué, tous les jours c'est compliqué. Alhamdulillah, on n'est pas dans ça. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et je m'adresse aux musulmans, aux musulmanes. Vous êtes des musulmans, des musulmanes. Rien que pour ça déjà, rien que ça. Rien que ça, tu dois te faire l'âme tous les jours. Tu dois sauter au plafond. Alhamdulillah. Tu te lèves, t'es musulman, t'es musulmane. Tu peux mourir, tu espères le paradis. Tu crois que c'est le cas de tous les habitants sur cette terre? On est combien de milliards? Combien de milliards? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. On peut prier, on peut prier, on peut l'invoquer. Allah, il nous exauce, il nous secourt. Alhamdulillah. Oui, j'allais oublier ça. Le nombre de fois où on a été dans des bourbiers, des épreuves, de notre faute aussi, hein, à cause de ce que l'on m'a waki, on a fait des erreurs et tout. D'accord, très bien. Eh ben, Allah, il nous a secouru. Alhamdulillah. Nous a secouru, nous a élevé, nous a purifié, nous a éduqué, nous a rajouté mieux ensuite. Alhamdulillah. Imaginez. Même quand on faute, alhamdulillah, Allah, il nous remet sur le bon rail. Si ce n'était que nous, avec tout ce qu'on a vécu, vraiment tout ce que moi j'ai vécu, ma vie complètement dingue, là, ma série Netflix qui n'est pas une série qui est bien réelle. Si c'était par la grâce d'Allah, alhamdulillah, comment j'aurais fait pour me relever? Comment j'aurais pu me relever? C'est mort! J'aurais dû canner trop de fois, ou finir fou trop de fois, ou finir au sol trop de fois, mais ça s'est pas passé comme ça. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc voilà, je vous transmets ça, alhamdulillah. Je pense que je peux pas mieux vous transmettre, hein. Ça se fait rare sur internet aujourd'hui, énormément de bouse. Et même quand ça parle de dîn, énormément de gens qui veulent se mettre en avant et rafler les sous. Retenez que l'islam ne se monnaie pas. Alhamdulillah, on n'a pas besoin de ça. Ville, vulgaire subsistance, vulgaire billet n'a rien à voir avec dîn à l'islam. Donc faut pas qu'on nous confonde, hein. Il y a les gens de ceci, il y a les gens de cela. Voilà. Tu me mets dans la case que tu veux, mais je serai pas avec ceci ou cela s'ils font ça. Clairement. Alhamdulillah. Même pour ça. De ne pas mélanger le sacré avec le mondain. Alhamdulillah. En fait, tu peux pas t'arrêter de dire alhamdulillah. C'est pas possible. Si tu médites, tu peux pas. Lequel des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Sourate al-Rahman. Alhamdulillah. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En toutes circonstances. Il y a des jours, ça va être comme ça, un peu up. Des jours un peu down. C'est normal. C'est le moral. Comme ça, c'est l'être humain. Allah, il fait rire, il fait pleurer, et puis il t'enseigne des choses, et puis tu dois expier, et puis c'est comme ça. L'âme est versatile, elle peut pas rester fixe sur une humeur, c'est impossible, impossible. On se maintient, mais alhamdulillah, alhamdulillah, dans les bons ou dans les moins bons jours pour notre nefs, alhamdulillah, 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 ala kulli hal, ya rabbil alamin. Sachez que tant que vous resterez dans ce alhamdulillah, dans cette louange à Allah, dans ce shukrailla, la reconnaissance à Allah Azzawajal, Allah il vous aidera, Allah il vous apaisera, Allah il vous rajoutera, c'est sûr et c'est certain. Allah il aime les reconnaissants, il aime ceux qui le louent. Et louer Allah, la louange, c'est ça, c'est dire alhamdulillah. Méditer sur le sens. Quoi qu'il arrive, même il t'arrive les pires galères, alhamdulillah. Et pas alhamdulillah, hein. Atek, alhamdulillah, ça veut rien dire. En tout cas, c'est pas légiféré. Plus précisément. Alhamdulillah, non pas Alhamdulillah. Parce que c'est toutes les louanges reviennent à Allah. Alhamdulillah, ça c'est toutes les louanges. Alhamdulillah, c'est une louange. Voilà. Souvent prononcé en plus par des gens arabophones. Hein. Mais ils comprennent pas le dîn. C'est pas qu'ils comprennent pas l'arabe, c'est qu'ils comprennent pas le dîn. Et je préfère être francophone. Et pas tout à fait arabophone. Hein. Mais comprendre ce que je dis en arabe, plutôt que d'avoir la langue arabe et de rien comprendre au Coran et à la Sunna. Hein. Au passage. Ah, tous ceux qui se vendent de la langue arabe, c'est bien, tu sais même pas ce que ça veut dire, alhamdulillah. La bismillah, tu la comprends pas non plus. Tu fais du shirk et de la bid'ah, mais c'est bien. C'est bien, t'es arabophone. Wow, ça fait pas entrer au paradis d'avoir l'arabe. Wow, je vais choquer. Ça fait pas entrer au paradis d'avoir l'arabe. Ce qui fait entrer au paradis, c'est le tawhid et le suivi de la sunna, les copains. Donc il s'agirait de s'y mettre un petit peu. D'arrêter d'être dans des clichés, des clivages, je sais pas quoi, des camps, des gangs, des. Ah là, nous, on est de telle origine. C'est pas une origine qui fait entrer au paradis. C'est pas une langue. Non. C'est tawhid. Tawhid, tawhid. Comprends peu, mais comprends ce que tu dis. Comprends ce que tu pratiques. C'est bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Et je vais continuer sans vous parce que ça sert strictement à rien. Et je vais pas ici, là. Voilà. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Le rappel, il est public parce qu'il sert. Et le reste, ça me regarde. Salam alaikum.